Quelque 200 personnes de Regina et de Saskatoon se sont rassemblées hier après-midi devant l'Assemblée législative pour dénoncer la guerre entre Israël et le Hamas qui a repris en intensité depuis le 7 octobre dernier. Par centaines, ils se sont ensuite introduits dans le palais législatif en scandant « Cessez-le-feu maintenant ». Ils demandent à ce que le gouvernement de la Saskatchewan fasse pression sur Ottawa pour qu'il y ait un cessez-le-feu dans ce conflit armé. Les manifestants dénoncent aussi le soutien indéfectible à Israël du premier ministre. Les débats entre les députés ont dû être interrompus et aujourd'hui, c'est la reprise des travaux. On se pose la question, est-ce que des mesures de sécurité seront renforcées? Un homme de 41 ans a plaidé coupable hier à la cour du Banc du Roi de North Battleford à des accusations de meurtre au second degré. Michael McKay a admis avoir tué sa femme de 38 ans en empoisonnant sa tasse de Gatorade. Le couple était marié depuis 2005 et avait 3 enfants. On a aussi appris en cour que le meurtre aurait été prémédité. Quelques jours avant la mort de Cindy McKay, le mari aurait envoyé des messages à une amie dans lesquels il dit qu'il allait bientôt dire adieu à sa femme. Michael McKay a très peu parlé en cour et a plaidé coupable à la moins grave des accusations qui portaient contre lui. À partir de 2 vieilles structures de silos à grains démantelées, la nation Cree de Locumen, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Saskatoon, construit sa toute première maison dans une réserve et en plus, la construction est carboneutre. Le but de la nation de Locumen est d'offrir des maisons à ses quelques 120 membres pour faire de la réserve un endroit habitable. Et c'est en utilisant du bois recyclé de silos à grains, la maison devient donc un exemple de construction éco-responsable. Pour en savoir plus sur cette initiative éco-responsable, eh bien, téléchargez l'application Info ou encore allez sur notre site Internet de Radio-Canada sous l'onglet Saskatchewan.